Coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui on découvre la démo de News Tower, un jeu dans lequel on crée son empire médiatique. On commence avec un journal, un bâtiment, on recrute des journalistes que l'on va envoyer enquêter, on imprime le tout, on envoie le journal donc dans les mains de nos clients et on essaye de se faire un maximum d'argent. C'est un jeu qui peut paraître simple mais qui est en fait vraiment complexe. J'ai mis du temps à comprendre ce qu'il faut faire, le tuto n'est pas assez complet, les développeurs le savent et ont bien dit qu'ils vont étoffer un petit peu les choses. Mais bon, si vous voulez découvrir comment le tout fonctionne, vous pouvez également regarder ma vidéo. A savoir que malheureusement, cette démo n'est plus disponible sur Steam. Elle a été retirée il y a quelques jours par le développeur. Mais comme je vous le dis souvent, téléchargez les démos quand vous le pouvez, car là, bah là, du coup, la démo est toujours dans ma bibliothèque et je peux continuer à y jouer. Allez, on est parti. Et voici notre premier bâtiment. On a là les restes d'un ancien journal qui était vraiment populaire dans le quartier, mais qui a malheureusement fait faillite. On hérite du coup d'un générateur pour l'électricité, vu qu'il y a beaucoup de coupures dans la région, et d'une imprimante, la vieille Bertha, qui fonctionne toujours super bien. Notre objectif là va être de préparer le journal avant de lancer les enquêtes, et il faut donc mettre en place une chaîne de production d'articles. Donc je vais commencer par mettre un étage supplémentaire, ça va me coûter 864$ sur les 25 000 de mon budget. Je peux me le permettre, pas de problème. Je n'oublie pas de mettre l'escalier, sinon on va avoir quelques petits soucis. Et on va le mettre ici. Bam ! Génial ! Et alors, on peut soit faire les objectifs nous-mêmes, hein, donc poser ce qui est demandé, ou alors j'ai juste à cliquer là, et ça va me guider pas à pas. Je vais me laisser guider pour la première quête, puis le reste on va le faire nous-mêmes. Donc, on me demande de poser une table pour les journalistes, une table pour éditer le texte, et s'assurer qu'il n'y ait pas de faute. Une autre pour taper le texte sur la page. Et une dernière pour mettre en page l'article lui-même en positionnant... mettre en page le journal, pardon, en positionnant les articles comme il le faut. Donc avec ça de fait, il me demande maintenant de commander quelques ressources. Il y en a trois dans le jeu. Il y a le charbon, qui est pour la génération d'électricité. Le papier pour l'imprimante et les chiottes. Oui, on utilise le même type de papier. Et la nourriture, bien entendu, pour nos ouvriers. Donc je vais demander d'être livré demain. Parce que là, le temps a déjà un petit peu défilé, vous pouvez voir que le charbon n'est livré qu'à 8h du matin, le papier à midi et la nourriture à 16h. Donc je vais demander de tout déposer mardi, donc pour le moment une livraison par semaine, je vais en rajouter d'autres s'il en faut, mais une livraison par semaine et on va voir comment on s'en sort. Et avec ça de fait, je vais maintenant engager 4 journalistes. Donc hop, on clique là, on va dans la partie journaliste et je vais choisir des gens qui sont spécialisés dans leur propre catégorie. Donc là, on a le sport, il y a 3 sur sport, je ne peux pas demander beaucoup mieux, 3 pour le crime. Ensuite, on va prendre 3 pour l'économie et 3 pour la politique. Ça m'a l'air d'être une bonne sélection pour démarrer. Vous pouvez voir qu'il y a également l'entertainment et le social. C'est le social celui-là. Ouais, c'est le social. Donc ça, ça va attendre un petit peu. Et alors, on va mettre le premier journaliste à son bureau. Donc tout le monde doit, si on fait son boulot, hein, avoir son propre bureau. Vu que du coup, vous voyez, ça va augmenter les stats du bonhomme. Il va passer de 3 à 4. En sport, vu qu'il a son propre bureau, mais il va profiter des bonus grâce aux objets que l'on pose autour du bureau. On va le voir en détail un petit peu plus tard. Alors, je vais avoir besoin de quelqu'un pour éditer le texte. Donc, vous voyez, c'est cette icône. Donc là, je vais dans les gens qui bossent au bureau et je regarde quelqu'un qui a 3 si possible. Non, il n'y a personne qui a 3, mais on va prendre lui. Éditeur, 2 sur 3, le max. Ok, très bien. Ensuite, celui-ci. Le typesetter, qui voilà, hop, c'est bon. Et le dernier, celui qui va mettre en page le journal, a besoin de max dans 7, bah tiens, 3. Parfait. Et avec ça, on est déjà bien parti. Alors, il me demande ensuite de mettre en... Ah oui, de poser. Hop. Si je me rappelle bien, ça va être les accessoires. Ça va être pour toi, pour que tu puisses bien taper, vu qu'il en a besoin. Et il nous demande de lancer les premières news. Mais avant, je ne suis pas satisfait complètement. Donc je vais agrandir un petit peu et améliorer comment tout est positionné sur place. Donc je veux une table pour tous les journalistes. On n'en a que pour un. Et moi, j'en veux 4. Hop. Je vais mettre un petit peu d'espace là pour de la déco. Et le dernier ici. Alors toi, tu vas avoir ton bureau. Toi, le tien. Toi le tien. Voilà. Ce n'est pas tout. Ils ont besoin également de lumière pour bosser. Donc je vais leur en mettre. Un, toi ici. Toi là. Ici. Et là. On va être pas mal. Est-ce que la livraison n'a pas été faite? Alors, ce que l'on va faire, c'est que j'ai besoin d'une horloge pour voir l'heure.
Mais je vais les mettre, vous voyez, à côté des bureaux, parce que du coup, les horloges augmentent les compétences de tous les bureaux à côté. Vous voyez, pas mal de plus 1, ça a bien monté le level. On va faire la même chose là. Et là, il est quelle heure? Il est 9h passé, du coup... Ah bah la livraison de charbon a été faite et je ne l'ai même pas vue. Donc on va prendre le charbon, on va le mettre là. Et alors je vais finir ma déco. Donc on va te mettre là. On va mettre également... Ouais, quand c'est en vert, c'est que c'est une bonne déco. Et donc les gens vont être plus contents. Là c'est vraiment une catastrophe, donc je vais mettre pas mal de déco. Je n'oublie pas l'horloge. Et l'horloge, c'est fait. C'est un peu le bordel, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, j'ai besoin maintenant d'un stockage pour les ressources. Ah, là, on est livré du papier. Parfait. Alors, je veux que le stockage soit là. Vous voyez, comme ça, le charbon est à côté du générateur. Et j'ai besoin de gens pour transporter... Il y a beaucoup de choses à faire. Hein. J'ai besoin de gens pour transporter, c'est eux, les ressources. Alors, toi, tu as 3 en transport de ressources. Je vais même prendre un deuxième qui a 3. Et j'en veux un autre qui est bon dans le nettoyage. Il n'y en a pas 2, ah si 3, voilà. Il y a une dernière catégorie qui est la cuisine, mais bah, pour le moment on n'a pas de cuisine. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont chercher ça là, et le ramener là-haut pour le stocker en attendant de le poser ailleurs. Donc ça c'est bon. Et bah, je pense qu'il est temps d'aller envoyer nos journalistes faire des enquêtes. Alors, là on a, sur les sénateurs à New York, on peut enquêter sur une rumeur, où on peut piéger quelqu'un. D'accord, on peut piéger quelqu'un en utilisant une fausse identité pour sûrement obtenir des informations. Le problème, ouais, c'est qu'il me faut 5 en compétences et mon bonhomme a que 2, donc c'était pas bon. Par contre là, il faut 3 et lui a 4, donc c'est parfait. Je le mets là et je l'envoie. Parfait, on va voir notre premier article. Ah, et là, il y a un risque. D'accord, donc parfois, on peut être allé en justice à cause de notre article ou de notre enquête. Et c'est ce qui s'est passé et on a dû payer... pour mettre fin à au truc en justice, voilà, c'est un truc aux États-Unis. Alors, personne, comment se fait-il que je n'ai pas assez de gens? Toi, tu peux aller là, parfait. On t'envoie, pas de risque hein, que l'on aille en justice, voilà. Parfait, donc là, je vais avoir 2 articles qui vont être préparés. Regardez, et là, ils vont poser le papier. On est à 50. Et 100 en stock. Ici, on a combien? On en a 85. Il y a encore des choses en bas. Alors oui, il me faut un endroit pour mon peuple, pour qu'il puisse manger, boire. C'est pour ça que j'ai mis tout le monde là. Tous les journalistes, pardon, plutôt. Vu que... Du coup, je vais mettre ça là. La machine à café ici. Et la table de la cantine là. Donc je vais compter. Bah tiens, on va le faire nous-mêmes pour le début. Comme ça, on va ménager nos bonhommes. Oups. Voilà. Nourriture, boisson, très bien, regardez, et alors ils vont avoir besoin d'une lumière là également, parce que c'est pas terrible, et peut-être un petit peu de déco. Mal posé, voilà, ça c'est utilise de l'énergie, oh il n'y a pas de papier au chute. Ah on a mis tout le papier dans, alors ok, donc je vais demander une autre livraison. Alors, je vais demander samedi. Ok, on est quel jour? On est mercredi. Ok, voilà, comme ça pour la première journée. Après, je vais retirer ça et on va être juste là. Ok, ça me coûtait un petit peu de choses. Alors, ils en sont où là, mes bonhommes avec les articles? Si je veux. Ok, on a 2 articles de prêt. Ok. Donc ça, la une. Et là, et vous pouvez voir que là, c'est en train encore d'être édité. Hein. Là, c'est encore l'enquête est encore en cours. D'accord, c'est même pas encore au niveau de l'édition et de la mise en page. Alors, ce que je voudrais voir, c'est est-ce que... J'ai pas un deuxième endroit où je peux envoyer mes bonhommes. Pourquoi lui, il est parti? Ah, parce que j'ai personne d'autre qui a cette compétence. Alors, est-ce que je pourrais rajouter une table avec... de ça. Ouais, ça serait pas mal. Ok, ça serait pas mal. Et du coup, on va mettre ta table au bout.
Voilà. Donc maintenant. Alors, ça, c'est mort. Voilà. Très bien. Comme ça, on va avoir trois articles pour notre premier journal. C'est toujours une bonne idée d'avoir le tout. Alors, ça, ah, le papier arrive. Alors, on va accélérer un petit peu. Voilà. Les gens peuvent aller aux toilettes enfin. Alors, ce que je comprends pas, il me dit commande des ressources. Ben, on en a commandé trois, on a même commandé plus que trois. Voilà. Ok, bon alors j'en suis où pour mon article? Ah, le dernier est là. Et c'est toujours en train de passer d'un endroit à l'autre. Donc une fois que les reporters ont fait le nécessaire, ça va venir là, puis ça va venir là, puis ça va aller là. Je vais accélérer. Le jeu est complexe, hein, je peux vous dire, purée. J'en ai sué pour comprendre comment tout fonctionne. Ah, allez, là, il y a quelque chose qui a été validé. Donc maintenant c'est en production, en production, en production. Les trois sont en production. Donc ils sont quelque part au milieu là, probablement à ce niveau-là de ce que j'ai pu voir. Alors on accélère. Voilà, donc là il y a un article qui vient de passer. C'est bien quelqu'un qui bosse là, hein. Ouais. Voilà. Je compte sur toi. Et d'ailleurs, je me demande si je peux pas déjà envoyer, si je peux envoyer déjà mes journalistes pour l'édition suivante. Alors, la box. Juste 2 points. Ou 4 points. J'ai personne qui a 4 points dans le domaine. Donc, on va t'envoyer toi. Ouais, toi, parce que lui, il a 4 points dans le crime, c'est pas mal. Voilà. Ici. Ah, un risque, ouais. Ah, non, ça, on a gagné, on a gagné. D'accord. Le juge a jugé que ben, on avait raison. Toi, on va t'envoyer. Parfois, il faut plusieurs bonhommes hein, pour certains articles. Ouais, là, il nous en faut 3. On l'a pas celui-là. Donc ça, c'est mort. On n'en a pas de ça. Et ça, lui, personne n'est disponible. Toi, 3. On peut t'envoyer. Alors, à moins que quelque chose. 4, non. C'est celui-là. Ok. Voilà. Trois autres articles qui vont être en production une fois que les journalistes sont revenus. Alors, du coup, là, plus qu'un dernier. Donc, j'accélère. Allez, on compte sur vous, les jeux. Le groupe d'édition. Ah, il a passé la deuxième étape et il est passé la troisième. Ok. Donc maintenant, pam, on imprime. Froum. Ça y est, notre premier journal. Bon, ça nous a pris juste quoi? 14 minutes? 12 minutes? Alors, du coup, on a gagné en popularité. Super, plus 6%. On a gagné 3275 avec les ventes. Ouais, parfait, on est à 25 000. On est redescendu vers 18 000 et là on est bien monté. Donc on a vendu 13 100 à 0,25 l'unité. D'accord. Et on n'avait pas de pub. Donc, ouais, bah, forcément. Et on a gagné plus d'abonnés. Parfait. Et apparemment, c'était vraiment, on était excellent en crime et en social. Ça, c'était vraiment. Là, on a frappé fort. Bon. Alors, obtient 25 000 abonnés. Toujours les ressources, bon ça va, hein. A fait une pub. Alors la pub, je peux peut-être la faire là. Alors que je me rappelle sans me faire aider. Je crois que c'est production d'images. Je me rappelle plus exactement. Ok, bah je vais me faire aider par. Ok, pour ça, parce que ça je me rappelle plus. Ah oui, ads. Aïe. D'accord. Ça, je le savais, mais moi, je veux que tu montres. Ah oui, non, c'est ça qu'il fallait que je clique. Voilà, c'est celui-là qu'il fallait que je clique, pas l'autre. Ah, c'est celui-là. Donc, du coup, voilà. Bureau d'édition à côté des chiottes. Ensuite, les photos. Ouais, c'est parce qu'il y en a plusieurs en. Ah. Bah, bon, on va faire un autre étage. Parce qu'il y a plusieurs types d'images que l'on peut faire pour le journal. Et je me rappelais plus quel était le groupe qu'il me fallait. Alors.
Et alors du coup, le dernier, en graveur chimique. Graveur chimique. Très bien. Bon, bah alors du coup, toi, en employé. Il faut quelqu'un qui ait 3 en cette compétence. Bon, ça va être toi. Pour celui-là, il faut quelqu'un qui ait 3 en ça. Parfait. Et le dernier, un 3. Génial. Donc là, on a l'équipe de choc. Ils vont avoir besoin de lumière et un petit peu de déco. Le choix, je dois mettre ça. Et on n'oublie pas. Voilà. Toi, tu l'as pas eu le tien, Allez, donc j'en ai des horloges dans mon endroit. Mais c'est le seul qui monte les stats, donc voilà. Ensuite, on a été livré. Alors, le charbon, le papier arrive. Ah bah, bienvenue à la livraison, parce que... Alors, fais une pub. Donc toi, je vais avoir besoin de 2 et 3. 3 et 3. Ok. Il me faut d'autres bureaux, on n'a pas fini. Ça va être ça, si je ne me trompe pas. Parce que là j'ai un dans la compétence, mais c'est pas tellement celle que je veux. Je peux mettre là. Ça va pas me suffire. Ça, mais il m'en manque une et je n'ai pas assez de points dans le domaine de toute façon. Toi, il me faut 2 en social. Ça, j'ai des points en politique, pardon. Ça, j'ai, mais j'ai pas quelqu'un qui a 3 en illustration. Il me faut quelqu'un qui est en illustration, donc je pense que je n'ai juste pas le bon type artiste. Ah, toi, ok, toi, on va te recruter et il me faut un bureau pour l'artiste maintenant. Purée. Ça va être image. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est lui. Parfait. Parfait. Ah, ça y est, je me rappelle un petit peu. Alors, n'oublie pas. Est-ce que t'as besoin? Ouais, t'as besoin de ça. On va mettre ça là. Et là, pour augmenter la qualité du voisinage, on n'oublie pas maintenant la lumière. Et maintenant, je vais pouvoir faire ma pub. Pourquoi lui, il n'a que 2 maintenant ? Ok. Ça. Hop. Il est bon. Rien à lancer. Ah, j'ai pas ça, zut. Et j'ai lui qui est là. Ah là, bon, j'ai viré Clark White et je l'ai remplacé par Denis Walker. Ça a l'air, voilà, ça a l'air de mieux fonctionner. Du coup, j'ai un peu brisé le cœur des gens qui étaient autour. Ouais, regardez, quand ils ont vu que je l'ai viré. Mais bon, le gars, il pouvait pas faire le boulot qu'on lui demandait, donc... Alors, avec ça, je vais maintenant attendre que la pub soit faite. Et je vais regarder pour le journal. Alors. Boxing. Et là, on est prêt. Alors, je sais pas comment inclure la pub avec. Ouh. Je vais du coup attendre qu'ils aient terminé de préparer ça. Ah, ça y est. Nécessaire a été fait. Ils ont pris leur temps. Mais du coup, je pense que l'on est prêt. On va voir si ça a un impact.
Ouh. Ça, c'est quoi? Ah, une illustration gravée. Alors, on va te mettre de côté. Et on va ici, comme ça. C'est parti. Oh oh! Moi, 15%! Voilà! D'accord, alors on a quand même gagné un petit peu de monde, je pense. D'accord, pourquoi? Parce que j'ai mis... Oh, je crois que c'est parce que j'ai mis une image, non. Alors, on a de quoi faire une autre édition. On y va comme ça. C'était peut-être les pubs aussi, j'ai mis beaucoup de pubs le coup d'avant. Ouh. Je gagne quand même des abonnés, mais l'opinion publique chute à une vitesse un petit peu folle. Hein. Mais on est à 15 900, donc petit à petit, alors je vais devoir envoyer d'autres. Ouh, on a plus d'opportunités. Alors j'en ai qu'un seul, donc ça peut être bon. Non plus. Je comprends pas pourquoi, oui, parfois certains perdent. Est-ce qu'ils sont pas contents? Est-ce qu'ils ont besoin de se reposer? Pourtant, je les ai assez ménagés dernièrement, donc je vois pas de quoi ils se plaindraient. 5 hors de notre portée. Pareil. Ah, et parfois, j'ai oublié de regarder. Ah, 3. Hop. Voilà. Voilà. J'ai regardé les autres, toi. 6, pas la peine. 3, 4, pas la peine, ça non plus. Quoique là, je crois que je suis bon, hein, si je peux utiliser l'image. On va être bon avec ce genre-là, mais bon, ça nous fait pas de mal d'avoir... un backup. Ah, ok. Voilà. C'est parti. Ah, là, il n'y a plus de nourriture. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il y a... Ah oui, il y a des choses cassées. Alors, ok. Ah, c'est un mécano en réparation. Et arroser les plantes. Voilà, on va avoir besoin d'arroser. Donc là, il va réparer. Voilà, c'est ceux qui peuvent. C'est peut-être pour ça qu'ils ont perdu des points de stats. Peut-être qu'ils pouvaient pas boire et manger, et donc du coup, ils se plaignaient. Ah, là, j'ai pas beaucoup de nourriture, même. Donc, on va faire une autre commande. Au milieu de la semaine. En papier, on est bon. En charbon, on est bon. Un peu le bordel, notre truc de commande. Et là, il a toujours le cœur brisé après que j'ai viré l'ancien. Mais combien de temps ça va durer, ça? 23%. Le confort est trop bas. Est-ce que je peux faire quelque chose pour augmenter leur confort? Ça donne du confort. Ah, le confort, là, est bas. Je vais essayer de m'assurer que le confort soit à un bon niveau un peu partout. Toujours un peu bas là. Est-ce que je peux mettre... Ça, ça donne du confort. Oui, on peut te poser ça là. Je vais faire au mieux, mais... Ah, je peux pas bourrer plus de choses, hein. Bon. Peut-être mettre... Ça, pas le mettre en... Ok. Ça en plein. Ça. Et là, il n'y a plus qu'à attendre que tout soit prêt. On accélère. Est-ce qu'on a eu des livraisons pour la nourriture? Ouais, ils ont fait le plein de la nourriture. Et j'ai ça là. J'ai un petit peu de charbon qui reste. On est quoi? On est samedi. Faudrait tenir jusqu'à... Ah, ben, j'en ai même deux de charbon. Bah tiens, il vient d'avoir une livraison, donc parfait. Plus qu'à un article qui est en production.
purée. Moi, 25. Ouais, il se passe quoi là? Pourquoi tout le monde me déteste dans ma partie précédente? Ça faisait que monter. C'est le choix des articles, mais ouais, d'accord. Bon, bah voilà, on va s'arrêter là. C'est un jeu qui est intéressant, mais qui est vraiment, vraiment, vraiment brut. Et il y a pas assez d'indications sur ce qu'il se passe, sur les conséquences, sur le pourquoi les choses se passent d'une façon ou d'une autre. Le principe est par contre intéressant. Au départ, on pourrait penser qu'on a un Mad Game Tycoon, c'est ça le jeu où... ouais, je sais plus comment il s'appelle. Vous savez, le jeu où on empile les étages et on met des bureaux, et voilà. Non, là, il y a plus d'interaction entre les ateliers, les bureaux, il y a plus de gestion. C'est pas juste une question de stade, vous voyez, vous rajoutez. Non. Là, il y a une raison de faire les choses dans un certain ordre. C'est un peu plus intéressant. Mais, il faut vraiment que le développeur améliore un petit peu l'approche du jeu, hein, qu'on comprenne un petit peu ce qu'il faut faire. Pour être franc, je me suis repris 3 ou 4 fois avant d'arriver à ce niveau-là. Et encore, ça c'est en regardant les conseils du développeur sur Steam, sur le forum Steam, qui expliquait un petit peu les choses, parce que, waouh, c'est spécial. Voilà. Donc merci à vous d'avoir regardé, je vous souhaite un bon week-end, et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye.